Et bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur un jeu d'horreur. Oui, ben, j'ai mis le fond qui va avec, bien sûr, j'ai mis le costume ensanglanté qui va avec. Bon, j'ai pas mis la perruque, hein. Niveau médecin, sans casque, ça va pas, mais là, le casque, ça va pas avec l'autre. On est aujourd'hui sur un jeu que, sincèrement, j'avais essayé de tourner le premier tome, je l'avais publié en partie, mais j'ai vraiment du mal à le tourner. Et ben là, on passe sur la suite. Et comme je suis toujours un absolu pro des scènes OBS, je fais tout en même temps, je fais tout en direct live. Plus rigolo. Merde, c'est pas ça, c'est ça. Hop. Tada! Layers of Fear 2. Oui, bah oui, ça se voit pas, j'ai le masque. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, mais je suis pas sur le bon écran, ça va pas ça. En plus, j'ai de la buée devant les yeux, je vois plus rien, c'est horrible. Adjust the slider until the image on the left is. Donc il faut que l'image à gauche soit un tout petit peu visible. Pour moi elle est un tout petit peu, pour vous c'est pas mal. Ouais, très bien. Setting. French. French ça existe. Ah non, ah j'ai French. Merci. Bon, bah, je peux pas changer d'écran, c'est super, c'est parfait. Bon, bah, on va jouer sur OBS quoi. Hop là, OBS, très bien. Je fais les tests son. Je vais baisser un peu le son du micro quand même. Allo, allo? Ah merde, putain, ça sature. Je suis sûr que ça sature, je reviens. Bon, et par je ne sais quel miracle, la scène ne sature pas. Ouais, mode normal, ouais, ça ira. Pour ma santé mentale. Ouais, l'écran vert déconne un peu, c'est juste que j'allumais un seul des projos. C'est celui que j'ai là, j'ai allumé qu'un seul projo. J'ai pas envie d'allumer, j'ai pas envie, je peux allumer les deux, ouais, j'allume les deux. Hop, voilà, ça enlèvera la plupart des problèmes. Ouais, par contre, si j'ai l'interface là, ça va pas aller. Que j'aime pas ces jeux, que j'aime pas les Layers of Fear. Donc, dans le premier, on était un jeune journaliste dans un manoir d'un peintre, et là, on est dans un bateau, apparemment. Et merde, les commandes sont pas bonnes. Ah, fait chier. Configuration des touches. Un jeu raciste, parfait. Interagir, résumer, s'accroupir. Ouais. Courir. Activer le sprint. Inventaire. Transcription. Ok. Déjà, ça fait flipper. Je devais tourner un ou deux. Je devais tourner quelques épisodes. Je vais pas en tourner beaucoup, je crois, pour ma santé mentale. Cache-toi dans l'extracteur, non? Je peux me brûler vif. Je veux mourir brûler vif, s'il vous plaît. Oh merde, je peux vraiment mourir. Est-ce que je régène? Pourquoi il y a une flèche? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah oui, il y a des flèches partout. Et qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le bateau est cool? Pourquoi le bateau est moisi? Qu'est-ce qui s'est passé? On va y aller après. Bon, on va y aller maintenant. Et moi, je vais faire une crise cardiaque. Les vidéos seront très courtes, hein, je vous préviens. Ah, oh, j'aime pas ces jeux. J'ai une crainte, parce qu'à chaque fois, dans le premier Layers of Fear, qu'on rentrait dans une pièce, qu'on regardait un tableau, ça partait en couille, ça volait derrière nous. On va pas regarder le tableau de près. Oh, j'aime pas cette mécanique non plus. Je prends des précautions. Oui, j'ai enlevé le casque, et alors? C'est pas? Quel dommage. Tu étais presque. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais qu'est-ce qui se passe sur ce bateau?
Ian Merling. Ah, oui, mais faut le dire. Reste en éveil. Tu joueras ton rôle, tu resteras en éveil. Oh, je le sens mal. Le sommeil est une mauvaise excuse. Tout comme toi. Tous les préparatifs sont terminés, tes petits jouets t'attendent à l'étage. Le temps n'attend personne, pas même les acteurs comme toi. Ne gâche pas le nôtre. Joue. Non. Non, je... Oh, 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 qu'est-ce que c'est? Test 1, 2, 3. Ah, oh, j'aime pas ça. Il y a toujours un screamer qui arrive derrière. Oh, les vidéos, elles durent entre 10 et 15 minutes, pas plus. Pour ma santé mentale. Je peux avoir... Ah oui, traduction. J'espère que ton installation s'est bien passée. Souviens-toi de ce que nous, de ce dont nous avons parlé. Concentre-toi sur ce que tu sais faire. Rejoins ce lieu spécial qui n'est qu'à toi. Trouve ta motivation, construis ton personnage. Crois-moi, ça en vaut la peine. J'essaye de te rencontrer. Fais bon voyage, ton ami et agent. D'accord. Et quand je quitte? Ah, voilà. Construction de personnages, relier les souvenirs, les rêves et les peurs, se préparer pour le rôle principal. Personnage. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux pas m'approcher trop près parce que je sais que ça pète à la gueule à chaque fois. Non, arrête cette merde. Y a rien de plus angoissant que ces tic-tac. Enfin, si, y a ça, mais bon. Comme techniquement, je suis sur un navire. Après, bon. Quand je vous dis que j'aime pas ces jeux, c'est à cause d'un truc. En horreur, tout ce qui est zombie, ça pose absolument aucun problème. Je me suis fait toutes les séries qui existent, avec, pas quasiment toutes les séries qui existent avec des zombies. Walking Dead, Resident Evil dans les plus connus. Enfin, Walking Dead, à la fin, ça devenait trop psychédélique, il y avait plus de zombies, c'était pas intéressant pour moi. Après, séries science-fiction d'horreur, pas plus que ça. Des fois, c'est un peu flippant, surtout les jeux aliens qui sont terriblement flippants. Mais les jeux sur les surnaturels, c'est une horreur. J'ai du mal avec ça. Et Layers of Fear, c'est ultra, ultra, ultra surnaturel. J'ai tenté plusieurs fois de. Des films surnaturels. Le pire pour moi, ça a été Conjuring 2. Une véritable horreur. Voilà, ça va, c'est que le début. Pourquoi je peux faire ça? On peut faire couler le navire? Quel intérêt de faire ça? Oh. Vous la sentez ma motivation, vous la sentez. Bon, c'est fermé, super. Ce sera des vidéos faites par étapes, hein, je devrais faire d'autres jeux.
Il n'y a absolument rien. Ah, c'est le soleil. C'est paisible. On est d'accord, il n'y a rien. Je suis en train de faire des. Je suis en train de faire tout le tapis de ma souris. Ça me propose d'aller par là. Là, il manque un tableau. Il manque plein de tableaux. Apparemment, on a été braqué. Ça s'allume déjà quand je rentre. Ah non. Je le sens mal. Un homme dans sa vie est amené à jouer de nombreux rôles. Il observait les autres tandis que les autres le contemplent. Pour ceux qui sont sur téléphone, je fais la trad. On exige de lui qu'il adapte son comportement au gré du monde qui n'existe jamais vraiment. Il enfile le masque et se met au diapason. Chaque masque est un personnage, chaque personnage est une couche. Je m'approche un peu. Joue sur moi, c'est ma faute. Superposé à d'autres couches qui toutes l'appellent. Il doit construire le personnage qu'il est destiné à jouer. J'ai pas mis voice mode, hein, c'est trop chiant. Ou se perdre complètement. Se noyer. Au milieu de vie qu'il n'a jamais vécue. Ça sent le psychopathe, ça. Et pourtant, le voilà, debout, sur une scène où chaque homme doit jouer un rôle. Sur une. Oui. Et le sien est bien triste. En gros, là, je relis juste les trucs pour ceux qui sont sur téléphone portable. Qui ont. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qui n'ont pas la bonne qualité. Moi je sais que ça m'arrive très souvent, donc je vais essayer de lire à chaque fois qu'il y aura des sous-titres. Pour ceux qui peuvent pas le voir en fait avec les téléphones. Là on est d'accord, il n'y a pas de sortie. Donc quand je vais sortir, ce sera pas la même pièce. Construction de personnage, préparation, réflexion. Qui suis-je? Où suis-je? D'accord. D'accord. J'étais pas là. Ouais, on est encore 3 minutes. Les vidéos sont de 15 minutes. Cher passager. Icarus, cher passager. À la demande du réalisateur, cette partie du bateau a été fermée à tous les passagers et à l'équipage. Nous vous souhaitons une excellente journée, Icarus Transatlantique. Merci. Mais j'ai pas passé une excellente. J'ai pas passé un excellent voyage. Votre bateau est maudit. D'accord. Là déjà j'ai des frissons dans le dos là. Là déjà. Ouais, je crois que je vais tourner qu'un épisode, je vais passer sur un autre jeu pour me détendre 5 minutes. Ça suffit pour moi.
Qu'elle a une porte. Sortir de là. S'il vous plaît, venez me chercher. Oh, j'aime pas ça. Je peux pas lire le journal. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Wilson take office today as a 28th president. The dual life. Ouf. C'est allemand ça. Pas comme bruit. Ah, c'est du vin. C'est juste une ambiance glacer le sang, c'est tout. Moi, j'aime le sang minimum chez moi, je suis pas dingue. 14 minutes, parfait, ça fait 15 minutes pour moi. Ça se... Oh, et puis merde, allez. Allez, hop, moi. Hop, pour ma santé mentale. Taillot. Taillot? Je suis pas mort. Je suis pas mort. C'est un miracle. Je me suis dit, y a un truc qui va me péter à la gueule quand je vais rentrer. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, merde. Ah bah là, il va falloir que je remette le casque. Fait chier. Pas trop quand même. Listen, once you get there, Écoute, quand tu seras just sur do place, what you contente-toi de have to faire ce que tu do. as à faire. Get to the set and build Va sur le this plateau et construis character ton for him. personnage. Son That's all personnage, that matters. c'est tout ce qui importe. Merde, je le dé... Merde, je décale mon... Oh, au secours. Pas le bon jeu. Je voulais juste décaler mon... Ma tête parce que j'ai vu que j'étais sur les textes. Ok, je suis au resto, et alors? Bon, on va s'arrêter là. 15 minutes, c'est bien. Je vais faire un petit épisode court. Et de toute façon, une sauvegarde, c'est très bien. Pour moi, c'est pour ma santé mentale, c'est très très bien. Donc, les gens, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire et l'abonnement pour plus de Layers of Fear 2, de la flip totale et absolue pour moi. Voilà, je préfère encore Alien Isolation à un mode ultra hardcore, pardon. Allez, bye, les gens.